Elles sont invisibles, personne ne les a jamais vues et pourtant tout le monde les redoute. Les ondes électromagnétiques, celles qui portent nos conversations téléphoniques et nos SMS à la vitesse de la lumière, font peur. Car désormais, dès le plus jeune âge, on a un portable. On craint pourtant qu'il ne transforme notre cerveau en pop-corn grillé, qu'il provoque des migraines, voire nous rende infertiles. Mais qu'en est-il réellement? Que sait-on aujourd'hui des ondes de téléphone portable? Canal Détox coupe court aux fausses infos. On a longtemps vu circuler sur Internet des vidéos où des grains de maïs se transformaient en pop-corn au contact de téléphones portables. C'est quoi cette histoire? Est-ce qu'on peut chauffer le maïs et le transformer en pop-corn avec un téléphone portable? La réponse est non. Vous pouvez essayer, vous n'y arriverez pas. Cette vidéo a pour origine une publicité, donc elle a été, c'était un trucage. En fait, le téléphone portable, c'est vrai, utilise des ondes électromagnétiques qui sont de la même famille que les micro-ondes, donc potentiellement elles peuvent chauffer, mais on a des normes qui nous protègent ces effets d'échauffement. Donc vous ne pourrez pas transformer votre maïs en pop-corn, je suis désolé, avec un téléphone portable. De même qu'avec un four micro-ondes, vous n'allez pas pouvoir téléphoner. Plusieurs études scientifiques ont établi un lien entre consommation accrue de téléphones portables et tumeurs du cerveau. Y voit-on clair aujourd'hui sur le sujet? Ce que l'on sait de façon sûre à l'heure actuelle, c'est que ce n'est pas un poison violent qui va tuer instantanément vos cellules ou les transformer en cellules cancéreuses. Donc à court terme, on est très rassuré. Là où on a un doute, c'est pour les effets à long terme. Et ce doute vient principalement d'études épidémiologiques, c'est-à-dire d'études sur la population humaine à base de questionnaires, où on voit une augmentation du risque d'avoir un cancer du cerveau pour les gros utilisateurs des téléphones portables. Alors gros utilisateurs, c'est les personnes qui utilisent leur téléphone 30 minutes à 1 heure par jour sur une période d'une dizaine d'années minimum. Alors ça a amené la classification de ces ondes électromagnétiques comme étant cancérogène de type 2B, c'est-à-dire possiblement cancérogène. Donc ça montre bien toute l'incertitude qu'ont les scientifiques à ce niveau-là. Et il ne faut pas oublier que les études épidémiologiques montrent des liens statistiques et jamais des relations directes de cause à effet. On entend de plus en plus de témoignages de personnes dites électrosensibles. Qu'en est-il ? C'est des personnes qui ont un mal réel, les symptômes sont réels, ils ne sont pas des personnes qui sont folles ou qui ont des problèmes psychiatriques, absolument pas. Il faut vraiment les écouter. Là où on a des doutes, c'est qu'on n'arrive pas à reproduire en laboratoire, quand on les expose en double aveugle, tous ces symptômes. Donc il va falloir encore faire des recherches, et nous d'ailleurs au laboratoire, on est sur cette thématique où on essaye de voir au niveau cellulaire et moléculaire si les personnes électro-hypersensibles ne présentent pas des petits défauts par rapport à la réponse à l'environnement. On nous vante les mérites des slips anti-ondes, des patchs pour téléphone portable, du papier peint, de la peinture et même des cactus anti-ondes. Que valent ces innovations ? Il y a beaucoup de gens qui surfent un petit peu sur la peur des ondes pour essayer de trouver un marché. Alors certaines de ces innovations sont complètement farfelues, d'autres sont un petit peu plus sérieuses. On a par exemple effectivement des tissus qui peuvent réellement arrêter les ondes. Pour être vraiment protégé, il faut être complètement isolé dans une espèce de cage de Faraday et sans fuite possible si on ne veut pas être exposé du tout. Par exemple, les cactus, oui, ils sont chargés en eau, donc ils absorbent les ondes, mais ce ne sont pas des aspirateurs à ondes. Si on veut être protégé des cactus, il faudrait faire une chambre entière tapissée de cactus, du haut, en bas, à droite, à gauche, etc. Ce que personne ne fait, bien sûr.